ici et c'est Tomb Raider. Enfin, j'attendais. Ah, j'adore, je suis une grande, grande fan de Tomb Raider. Mon premier Tomb Raider, c'était Tomb Raider 4 sur la PS1. Et on va directement y aller. Waouh, t'es beau toi. Ouais, moyen, moyen, c'est bon. On va faire ça. On laisse comme ça. Ah bah c'est cool, ils ont fait comme la dernière Tomb Raider, on peut modifier la difficulté dans le jeu. Ça c'est pas mal. Je connais absolument rien, j'ai pas encore joué, j'ai pas encore testé. C'est le matin, je viens de déposer mon fils à l'école et boum, café. Et je l'ai lancé. Alors je suis un peu fatigué. Ma voix est toujours rouillée. Alors on va voir. Ma manette vibre déjà. Ok. Ma manette vibre. Ah, oh, d'accord. Deux jours avant. Ah! Jonah, t'es là? Merde. Et j'ai oublié de mettre les sous-titres, je ferai ça après. À savoir que je ne joue pas ça sur une S ni un X. C'est la première Xbox, hein, la toute grosse là. Jonah, je t'entends. Mais impossible de bouger. Ma jambe est coincée. Du calme, je vais chercher de l'aide. Non, je suis tout près des trinitaires. J'ai pas envie de me faire opérer. Alors éteins la radio. Ce sera pas long. Ah oui, d'accord. Tac, 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 tac. D'accord. S'il faut un petit peu plus de visibilité pour vous, dites-le moi. Ou du gamma ou du contraste. Ah oui, d'accord, là c'est moi qui joue. Waouh! Quoi, sur la X ou bien la S avec une télé 4K, ça doit être magnifique ce jeu. J'ai rien à dire en fait. Jusqu'à présent, le cinématique ressemble très fort au
le mini, le truc là que je viens de voir, le gameplay là, vu que c'est moi qui ai dû bouger là. Espérons que ça va rester comme ça pendant tout le jeu. Par contre, j'aimerais bien qu'ils arrêtent de faire les films. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Ah bah oui, là c'est moi. Oh wow. Attends. Génial. Alors en réalité, quand vous êtes en train de streamer ou mixer, vous pouvez choisir un cadre pour que les gens peuvent voir ce que vous êtes, où vous êtes, les éliminations parcourues, les ennemis, le temps, le jeu, où tout trouve. Ah ça c'est génial. Tous les objets collectés et tout. Ça c'est génial. Dites-les-moi dans les commentaires si vous voulez que je garde ça, oui ou non. Je l'enlève, c'est à vous de voir. Jonah, je suis dehors. Fais attention, le chemin du site est rempli de pièges. Ok. Les Trinitaires n'ont pas fini. Ils protègent quelque chose. 6 semaines, et on sait toujours pas qui dirige la cellule locale des Trinitaires. J'ai parlé à des gens en ville, et c'est l'ébullition. Ils attendent la visite d'un VIP pour le jour des morts. Un certain Dominguez, on devrait enquêter. Oh, trop cool. Waouh, regarde-moi ce qu'il y a là. Waouh, yes. On va quand même regarder un petit peu. Ah bah là y'a rien. Ah c'est le vide. Ah mais dis pas que je dois aller là-dessus. Pour que je me casse si je tombe. Jonah, j'y suis. Je suis en route. Je serai bientôt là. Désolé, je t'ai pas attendu. Sois prudent. Ok. J'ai un piou-piou. J'ai quelque chose. J'ai un coffre là. J'ai un coffre à ma droite. Une fois, j'ai connu ma droite et ma gauche. Bon, non, pas un truc d'étoile, hein, pas un énigme déjà au début du jeu. T'as pas un GoPro? Lara! Un peu cet endroit. Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les Trinitaires. Ouais, ils veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure? Non, ça va. C'est quoi tout ça? Des constellations. Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose. Un poisson rose? Une montagne couronnée d'argent. Il y a une date ici. Mais c'est très bizarre. Je crois qu'on l'a abîmée. Peut-être volontairement. Pourquoi les Trinitaires feraient ça? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, les dégâts sont antérieurs. Mais qui a bien pu y toucher? Ça c'était ma manette. Il faut qu'on sorte d'ici. Faut voir un GoPro, non, ma fille. J'ai besoin de ça. Allez. Dépêche-toi. Allez.
tu m'avais pas sorti, je serais encore dedans à prendre des photos. T'y serais peut-être encore, mais tu ferais pas grand-chose. Jonah. Ça te dit de souffler un peu? On pourrait se poser au café. Le docteur Dominguez est censé y être ce soir. Ça me va. Je vais travailler sur l'énigme, voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent, je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café, on doit super bien manger. Et je connais le cuistot. Oh, j'ai pas vraiment faim. Quoi? Même après tout ça, j'ai la dalle. Je boufferai une baleine. Sur le docteur Dominguez. C'est Drake, Uncharted. Il dirige les fouilles des Trinitaires dans le coin. Mon père a parlé de lui dans son journal, plus d'une fois. C'est un expert en ruines précoloniales. Tout le monde dit qu'il est génial. Il fait beaucoup pour la ville. Et sinon, ta jambe, ça va? Jonah, regarde. C'est bien une femme, ça. L'énigme, c'est des directions. Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Ah, je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses, ils ne vivent que dans l'Amazone. C'est vrai, en plus. Ça continue. Puis chassez le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'Hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc le sud-ouest du fleuve Amazone. Brésil ? Cette date dans les ruines, là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 Maya. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8? Avec la précession, c'est... Quoi? La précession. Comme la Terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Mm-hmm. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier Maya, il y a 2 millénaires d'écart. À l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les Trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé. Les Trinitaires cherchent quoi dans la cité perdue? Docteur, on a trouvé. Oui? Montrez-moi. T'as entendu ça? Voyons, y va. Hé, hey, attends. Les Trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la masse. T'es complètement tatoué. Vous êtes moderne. Plus qu'elle a prévu. Et fondre dans la masse. Et t'as un truc de flingue. Ah bon, j'ai déjà un succès, moi. Les Trinitaires la preuve sont que armés, j'ai pas encore joué. Et ils ont appelé des renforts. Je me ferai pas repérer. J'ai pas envie que ça recommence comme avec la dernière cellule. Ils doivent savoir qu'on vient de l'autre site. Dire qu'on devait se reposer. Où est passé Dominguez? Il peut pas être loin. Il doit être quelque part dans la cour. Ouais. On va le chercher. Quelqu'un est forcément au courant. Salut, Samy. Farcart. Comment ça va? Ok. Ah, bon, d'accord, moi je suis là. Ah, inventaire, il y a plein de petits trucs. Ok. Légende, quitté, j'ai... Oh, je suis riche. Cool. Bon, bah. Quoi, on peut parler déjà? Non, mais tu te rends compte? On l'a pris en train de boire les ofrendas. Oh là. Je suis sûre que j'ai dû faire pareil quand j'étais petite. Inutile de le punir. Ah, oui, je me dis, ça y est, il y a quelqu'un qui me tire dessus déjà. Tout ce qu'il a vu. Tu l'as vu alors? Non, continue de chercher. Bah, en même temps, je fouine, hein. Regarde un peu, quoi. Regarde, c'est pour mon père. Je pourrais en allumer un pour ma mère. J'aime pas vraiment la foudre. Tu préfères les gardes-tempêtes ou les immortels? Ah, oui, d'accord. Non, je survivrai. Bah, viens à côté de moi, derrière moi, là. On dirait un garde du corps, bizarre, lui, là. Jonah,
Il arrive à la porte. Je vois. Bien. Ne laissez personne me suivre. Un bel masque. Je dois pouvoir franchir le mur autrement. Moi, je m'occupe de ces gars. Hey les gars, comment ça va? Bien. Mais faut pas rester là. Dites-moi, il paraît qu'il y a une espèce de super fiesta avec des filles maquillées en squelette. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pas pour les touristes. Non, non, c'est que... c'est Maria qui m'a invité. Vous la connaissez, c'est ma cousine. Ma grand-mère était du coin. Ouais, on dirait pas, je sais. Paix à son âme. J'aurais voulu faire une offrande ou ce truc avec les couvertures. Ok, bon, en fait, je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais pas vous déranger plus longtemps. À plus dans le bus. Et merci pour ce que vous faites, hein. On se sent vraiment en sécurité. Au revoir. D'accord, elle passe comme ça. Jonah, j'y suis. Ok, ces gardes n'étaient pas à l'entrée tout à l'heure. Dominguez doit se douter quelque chose. Pardon, excusez-moi. C'est quand même beau, hein. Ça... moi, je pensais que c'était Ikea, là. Ça, c'est... je dois avouer ça, j'adore avec les Tomb Raider. Ils font quand même de pas mal de travail, quoi. Oui, monsieur. Bel fiasco au Brésil. Personne ne remet en doute votre place à la tête de l'organisation. On ne peut plus faire machine arrière. Oui, monsieur. Tout le monde se tient prêt. Pardon. C'est quand même pas mal, quoi. J'adore. Oui, désolé que je suis plus ou moins silencieuse. Jonah, Dominguez n'est pas seulement le chef de la cellule. Je pense que c'est lui qui est à la tête des Trinitaires. Faut qu'on fasse attention. Lara. Oui, c'est bon, je t'entends. Disculpe, señorita. C'est moi. Oui, désolé que je parle pas beaucoup, mais vu qu'il y avait, je sais qu'il y avait des Tomb Raider, au début ça plaplote un peu quand on joue. Et j'en profite un peu pour regarder un peu à droite et à gauche, parce que je trouve ça magnifique. Et si vous aimez, laissez un petit like, un petit commentaire, ça m'aiderait beaucoup pour pouvoir continuer avec le jeu. Quelqu'un a déclenché un piège au premier site, sans doute Lara Croft. Stop. Ça va pas? Je veux des faits, commandant. Pas des estimations. Je vais m'assurer qu'on ait une confirmation visuelle. Jonah, ils m'ont peut-être repéré. Je passe par la ruelle. Je vais trouver un autre chemin. J'aime bien les petits squelettes, en fait. Pas mal. Même dans le vitrine, quoi, c'est pas mal. Son muchos de sus hombres. On n'est jamais trop prudent. Vous êtes bien l'imam. Merci, on doit y aller. Je suis une femme seule dans la ruelle et tu marques rien. Ah, c'est beau, quoi, j'aime bien. Comme j'ai dit, je suis un grand fan de Lara Croft, alors tout ce qui est Tomb Raider et tout, par les films. Mais bon. Si, le premier avec Angelina Jolie, j'aimais bien. C'était gag. Oui. Dominguez veut savoir si Lara Croft est là. Bah oui, je suis juste là. T'as sa photo. Une femme blanche, d'une vingtaine d'années. C'est compris? Bien. Alors? Ils la trouveront. Bien. Hors de question que qui que ce soit entre ici. Je suis déjà dedans. Allez, hop, hop, hop. Allez, va. Qu'est-ce que tu me fais? Ah oui, d'accord. Oh, on peut parler. On va parler à Monsieur Bourré? Enfin, alcool. Hé, hey, sortez de mon bureau. Pardon? Fermez la porte derrière vous. Ok. Ne t'en fais pas. Vas-y, la joue. Les découvertes sur le site sont tout simplement incroyables. C'est la clé de notre prochaine étape. Si c'est bien ça, nous serons prêts. Ok. Bien sûr, elle casse une brique. Jonah, ils sont dans le site de fouille.
Il y a une clôture et un garde à l'entrée. Il y en a trois. J'ai trouvé un autre passage. J'ai trouvé le coin parfait. Je surveille le périmètre. Ah. Ah bah, tu vas me dire que le garde là-dessus me voit pas, peut-être. Ah cool, maintenant je cours. Ah oui, ça c'est la même chose que la dernière fois. Il n'y a pas des trucs à ramasser déjà? Parce que je sais que dans les Lara Croft, il y a déjà pas mal de petits trucs à ramasser. Ah, c'est pas mal ça. Hop. Bon, c'est vrai que sur mon Xbox, on voit la différence entre la cinématique et le gameplay. Hein, on voulait pas trop. Ces ruines cachent forcément quelque chose d'autre. Une pyramide maya, à l'intérieur d'une sorte de caverne. C'est fascinant. Et on dirait les trucs dans Tomb Raider. Bep. D'abord Winter. Ok, bah apparemment il... Non, je vous en supplie, non. Wouh. Qu'est-ce que je fais? Tu veux bien te dépêcher un peu? Ils attendent qu'on rentre. Dernière pensée. Stop, attendez. Je représente le gouvernement. Chic 3D. Plus maintenant. Monsieur l'archéologue en chef, on vient de mettre un terme à votre contrat. Pitié, non. J'ai de l'argent, je peux vous payer. Yes. Lara. Je vous ferai pas de mal. Lara Croft. Vous aidez les Trinitaires? Ils ont trouvé quoi? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent à l'entrée du temple. Mais on l'a trouvé. Oh non, il faut que je prévienne ma sœur. Elle devait me rejoindre. C'est bon, ça. Lara. Lara Croft. Elle ne s'est pas manquée avant ça. Jonah. Les Trinitaires viennent d'essayer de tuer un archéologue. Oh merde. Il faut que je découvre ce qu'ils cherchent. Et moi, je vous dis à tout de suite. Bisous. À toutes les équipes. Préparez-vous pour l'opération Nuit Noire.